On Jaba, oh, on Jaba, on Jaba, oh, on Jaba. Verset 1 à 4. Il est écrit. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en alla et s'éloigna et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, là s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Amen. 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 La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu se souvint de Noé. Et non seulement Dieu se souvient de Noé, mais il se souvient aussi des animaux qui étaient dans l'arche. Est-ce que Dieu oublie? Non, Dieu n'oublie pas. Parce que la Bible dit que la mémoire de Dieu dure de génération en génération. Amen. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas. Et pourquoi nous disons alors Dieu s'est souvenu de Noé? Si Dieu n'a pas oublié, comment peut-il se souvenir? Non, Dieu n'a pas oublié. Parce que si Dieu avait oublié, Noé allait mourir. Le mot souvenir ici, ce n'est pas le contraire de l'oubli. Mais le mot souvenir qu'on utilise et qu'on veut utiliser ce matin, ça veut dire le temps où Dieu vient intervenir dans ta situation. Le temps où Dieu agit dans ta situation. Le temps où Dieu te visite dans ton problème. C'est ça que nous appelons Dieu s'est souvenu de toi. Ça ne veut pas dire qu'il t'avait oublié. Mais entre temps, il a laissé le problème d'abord agir dans ta vie. Donc c'est l'intervention de Dieu dans ton problème. Pour te délivrer, pour te sauver, pour changer la situation,
C'est ce que nous appelons Dieu s'est souvenu de toi. Parce qu'il a écrit dans le livre d'Ésaïe que Dieu n'oublie pas. Il dit que même si ton père et ta mère t'abandonnaient, même si le monde t'abandonnait, même si les amis t'abandonnaient, lui l'Éternel ne va jamais t'oublier. Il dit même si ta mère t'abandonnait, c'est là qui t'a allaité, qui t'a porté dans son ventre. Lui, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Je suis venu te dire ce matin, je suis venu faire une prière ce matin. Une prière pour toi, une prière pour moi, une prière pour chacun de nous. Le Dieu que tu sers s'est souvenu de toi. Ah, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Le Dieu que tu sers va se souvenir de toi. La Bible dit quand Dieu s'est souvenu de Noé, parce que Noé était dans l'arche, c'était un endroit un peu difficile à vivre. Parce qu'il ne pouvait pas bouger. Il vivait avec les animaux dans l'arche. Et la Bible dit quand Dieu s'est souvenu de Noé, la première chose qui s'est passée, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Ça veut dire que la source d'où vient le problème, quand Dieu s'est souvenu de Noé, la source là a été fermée. Et la Bible dit les eaux se retiraient de dessus la terre. Les eaux qui représentaient des problèmes sur la terre, quand Dieu s'est souvenu de Noé, les eaux là se sont retirées. Amen. Troisièmement, la Bible dit ces eaux-là diminuaient jusqu'à sécher complètement. Et quatrièmement, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arara. Et c'est après cela que Dieu va dire à Noé, sors de l'arche. Quand Dieu s'est souvenu de Noé, les sources de son problème sont fermées. Je prophétise la même chose dans ta vie ce matin. Que les sources de ton problème soient fermées. Oh, je dis que les sources de ton problème soient fermées. La source d'où viennent les problèmes, la source que tu ne connais pas, que ces sources-là soient fermées. Les eaux se retiraient, que les problèmes se retirent de toi. Que les problèmes se retirent de toi. Que la mort se retire de toi. Que la douleur se retire de toi. Oh, je ne suis pas venu prêcher ce matin. Je ne suis pas venu prêcher ce matin. Je suis venu déclarer la parole de Dieu. Je suis venu déclarer la pensée de Dieu. Dieu me dit ce matin, et il te dit ce matin, je vais me souvenir de toi. La Bible dit les eaux diminuaient jusqu'à sécher. Je prophétise que la douleur, les difficultés, les problèmes que tu vois vont diminuer, sécher, disparaître et tu ne les verras plus jamais. Amen.
L'âge n'est plus ballotté par les flots de la mer et de l'eau. Il n'y avait plus de troubles. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus d'inquiétude. Je prophétise parce que Dieu se souvient de toi, il va stabiliser ta vie. Il stabilise l'église de Dieu. Il stabilise ton foyer. Il stabilise ta famille. Il stabilise la nation. Ton amen, l'âme ne m'encourage pas. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Ne regarde pas les problèmes autour de toi. Dieu te dit ce matin, je me souviendrai de toi. Je me souviens de toi. Même les gens qui sont morts pendant le déluge, parce que la Bible nous a fait comprendre que c'est 8 personnes qui ont été sauvées. Ça veut dire que de toute la population du monde au temps de Noé, c'est seulement 8 qui ont été sauvés dans l'arche. Et le reste a été détruit par le déluge. Mais la Bible m'a fait comprendre que quand Jésus-Christ est arrivé, quand il est mort sur la croix, il est allé dans le séjour des morts. Et la Bible dit, dans le séjour des morts, il est allé prêcher à tous les esprits qui étaient devenus rebelles au temps de Noé afin de les sauver. Amen. Donc Jésus écoute mes demandes, il voulait aller dans une bête et beaucoup. Et Jésus les a fait sortir du séjour des morts. Tous ceux qui ont péri au temps de Noé, Jésus leur a prêché l'évangile et les a fait sortir du séjour des morts et il est monté avec eux au ciel. Mais écoute aussi, merci, Jésus écoute maintenant. Ça veut dire que Dieu s'est souvenu même de ces gens-là. Pendant qu'ils étaient dans le séjour des morts, Dieu s'est souvenu d'eux. Parce qu'ils sont une créature ou des créatures de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Et Christ est aussi mort pour eux. Dieu ne les a pas abandonnés dans le séjour des morts. Imaginez cela. Des années après, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans après, Dieu s'est souvenu de ceux-là qui étaient dans le séjour des morts. Et Jésus est allé leur prêcher l'évangile pour les sauver encore de l'enfer. Ça veut dire que Dieu s'est souvenu même des morts. Qui peut me dire le contraire? Dieu s'est souvenu des morts. Et leur a prêché l'évangile. Et les a sortis de ce jour des morts. Dieu s'est souvenu de Noé. Lui qui était vivant. Il s'est souvenu de ses enfants qui ont bénéficié de la grâce de Noé. Et non seulement ça, Dieu s'est souvenu des animaux qui étaient dans l'arche. Mon frère, ma soeur, regarde-moi très bien et écoute la parole ce matin. Si Dieu peut se souvenir des morts, si Dieu peut se souvenir des animaux, alors ce n'est pas toi ce matin qui es assis ici. Ce n'est pas toi qui agonises dans un problème donné. Ce n'est pas toi qui aujourd'hui est en train de souffrir que Dieu va oublier. Le sacrifice de Jésus est tellement puissant pour que Dieu t'oublie. Voici ça, Jésus te lève,
Dieu s'est souvenu des animaux qui sont dans l'arche. Les animaux qui ne sont pas créés à la ressemblance de Dieu. Mais toi, tu es l'image de Dieu. Je dis, tu es la ressemblance de Dieu. Tu es la fierté de Dieu. Tu es la joie de Dieu. Oh my God. Je veux que tu mettes ça dans ta pensée ce matin. Que si Dieu n'a pas oublié les animaux, parce qu'il les a mis dans l'âge deux à deux. Il avait un programme avec ces animaux afin de perpétuer leur progéniture ou leur espèce. Donc même ces animaux-là étaient importants pour Dieu. Parce qu'il ne peut pas les voir mourir. Et Dieu s'est souvenu des animaux. Des animaux. Parmi ces animaux-là, il y avait des reptiles. Il y avait des bétails. Et Dieu s'est souvenu de ces animaux. Alors Dieu doit se souvenir de moi. Alors Dieu doit se souvenir de toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te donne la permission de faire cette prière. Et quelle est cette prière? Dieu, souviens-toi de moi. J'ai dit, Dieu te donne la permission de faire cette prière. Dieu, souviens-toi de ma famille. Seigneur, souviens-toi de mon papa. Seigneur, souviens-toi de ma soeur. Seigneur, souviens-toi de mon mari. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est une prière puissante que j'ai vue dans la Bible. Parce que quand l'Éternel se souvient de toi, il intervient. Il met fin au problème. Il met fin à la maladie. Il met fin à la mort. Quand Dieu se souvient de toi, il te pardonne. Il te restaure. Il te guérit. Il t'aime encore. Il enlève l'humiliation. Il enlève la honte. Il donne la réponse à tes questions. Il embellit ta vie à nouveau. Il te relève à nouveau. Et te remet sur la bonne voie. Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que je peux t'entendre dire ça? Seigneur, souviens-toi de moi. Encore, Seigneur, souviens-toi de moi. Une dernière fois, Seigneur, souviens-toi de moi. Parfois, tu penses que certaines personnes ont besoin plus de Dieu que de toi. Et que toi. Et tu as compris. Parfois, tu penses que certains ont besoin plus de Dieu que toi. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de cette prière. C'est parce que tu ne sais pas que tu as de problème. C'est parce que tu ne sais pas que tu peux mourir avant même le ciné. Tu peux mourir avant quelqu'un qui est dans un problème donné. Ça veut dire que personne n'est épargné. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je suis venu te dire ce matin, Dieu se souvient de toi. Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de son alliance. Il va se souvenir de son nom. Il va se souvenir de sa parole. Il va se souvenir de sa promesse. Il va se souvenir de ce qu'il a déclaré te concernant. Quelqu'un a quand même pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Akuna flimi. Qui sont ces personnes pour qui Dieu se souvient? Les gens de qui Dieu se souvient
C'est très important de le savoir. Et nous vivons en Minato. Dieu se souvient de ceux-là qui se souviennent de lui. Ma voix est non flé, mais non flé le soleil. Dieu ne se souvient pas de ceux-là qui l'oublient. Ma non flé, mais non moyen, ma oulea. Dieu se souvient de ceux-là qui prient dans la vérité. Ma voix non flé, mais non condamnido. Nous pouvons. De ceux-là qui vivent dans sa volonté parfaite. Mais non, non, tu veux tout mettre tes belles et mal offrir. Et s'ils sont tombés, Dieu se souvient de ceux-là qui se repentent dans la vérité. Ni et Kajaya, Maria, Flimé, ni Allah, ni Allah, ni Allah. C'est pour ça que je l'ai dit et je le répète encore, il n'y a pas une prière puissante comme la prière de la repentance. La repentance suivie de la restitution. La repentance suivie de la restitution. Dieu est toujours touché et il agit par rapport à cette prière. En avant, Dieu a eu hâte de tomber au cours des temps. Beaucoup d'entre nous, Dieu attend notre repentance et notre restitution depuis des années. Mais que Dieu le fit à ma voix et le vote de tomber comme le coin, mon pain. Dieu ne se souvient. Le vote de tomber comme le coin. Dieu ne se souvient pas de quelqu'un qui dit je n'ai pas de péché. Dieu ne se souvient pas non plus de quelqu'un qui ne se répand pas. Dieu se souvient de ceux-là qui se répandent sincèrement et qui font la restitution. Dieu se souvient d'eux. C'est pour ça que Dieu s'est souvenu de Zachée. Bien qu'il soit un publicain, malgré la mauvaise vie qu'il vivait, quand Dieu a vu son cœur de repentance, quand tu as vu la restitution qu'il a faite, Jésus est allé le visiter dans sa maison. Et les gens critiquaient ça. Pourquoi il peut aller dans la maison d'un méchant comme ça, d'un bandit, d'un escroc? Pourquoi il peut aller là-bas? Jésus a vu le cœur de Zachée repentant et qui a restitué. Amen. Oui, Zachée, Jésus m'a dit qu'à la voiture tonner, Jésus est battu dans le coin. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, arrange ton cœur. Arrange ta maison. Corrige tes erreurs. Parce que Dieu est près de chacun de nous. Et il attend qu'on lui montre qu'on a besoin de lui. Il attend qu'on l'appelle, dans la vérité. Dieu est un homme qui se respecte. Il se respecte lui-même. Et il n'intervient pas là où on ne l'appelle pas. C'est quand on va l'appeler qu'il va agir. La Bible, les enfants d'Israël souffraient dans la main de Pharaon. Et ils ont crié à Dieu, oh Dieu, tu es où? Par Moïse. Il est descendu par Moïse. Et il a dit, je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec mon peuple. Et je suis venu pour les délivrer. C'est quand ils ont crié que Dieu s'est souvenu. C'est quand ils sont fatigués de leur douleur qu'ils ont crié et Dieu s'est souvenu. Tu n'appelles pas Dieu parce que tu n'es pas fatigué. Tu ne cries pas à Dieu parce que tu as un autre Dieu. Dieu ne se souvient pas des gens qui adorent deux dieux à la fois.
voir que ton cœur adore un autre Dieu, il ne va jamais se souvenir de toi. Que le Dieu que tu adores dans le secret n'a qu'à te sauver. De peur. De peur que si Dieu te délivre, tu donnes la gloire à un autre Dieu. C'est lui seul qui doit recevoir la gloire. La Bible dit dans le livre de Jonas, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, c'est Jonas qui priait dans le ventre du poisson. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple. Et Jonas dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, je vais accomplir mon vœu que je t'ai fait. Le salut vient de toi, Éternel. C'est toi seul qui peux délivrer, Éternel. Et la Bible dit, quand l'Éternel a entendu cette prière, une prière de repentance, une prière de restitution, une prière sincère, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand l'Éternel va entendre ta prière sincère de repentance et de restitution, Dieu va se souvenir de toi et il va ordonner à ton problème, à ta maladie, à ce poisson, à ce ténèbre, de te vomir. Je vois le Seigneur ce matin donner des ordres à tous les problèmes dans ta vie. Que ce problème te laisse partir. Que ce problème là te vomisse. Que la situation là te vomisse. Je n'entends pas plus ton amen. Que ton amen soit plus fort que ça. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu se souvient de ceux-là qui persévèrent dans la volonté de Dieu. Ceux qui persévèrent dans l'obéissance à sa parole. Tous ceux-là qui souffrent injustement, Dieu se souvient d'eux. Dieu se souvient de ceux-là qui sont persécutés à cause de son nom. Ceux-là qui sont accusés, rejetés, humiliés, abandonnés à cause de son nom. Dieu se souvient d'eux. Je prophétise ce matin au nom puissant de Jésus. Dieu qui n'oublie pas le travail et les bonnes œuvres que les saints font en son nom. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Il se souvient de toi. Qui n'ont pas d'argent. Les gens qui ne comptent pas sur leur argent. Les gens qui ne comptent pas sur leur relation.
mais qui remet toutes choses entre les mains de Dieu. Et qui dépend de Dieu lui seul. À 100%. Dieu se souvient d'eux. J'ai dit Dieu se souvient d'eux. Dieu se souvient d'eux. Alléluia. Alléluia. Dieu se souvient de ceux-là qui font quelque chose de bon ou qui ont fait quelque chose de bon une fois, même s'ils sont tombés. Quelque chose que tu as fait un jour pour toucher le cœur de Dieu, Dieu n'oublie pas ça. C'est pour ça, au temps des malheurs, Dieu se rappelle des bonnes choses que tu as faites. Dieu n'oublie jamais les bonnes choses que tu fais ou que tu as fait une seule fois, même si c'est une seule fois. C'est pour ça la Bible dit, faites du bien à tout le monde. Et spécialement aux chrétiens, aux frères de Jésus. À chaque fois que tu as l'occasion de faire, fais-le. Parce qu'un jour Dieu s'en souviendra. Même si la personne à qui tu as fait le bien ne t'a pas récompensé. Même s'il a été ingrat envers toi. Même s'il n'a pas reconnu ce que tu lui as fait. Vous savez pourquoi les gens sont frustrés quand ils font du bien et ne sont pas récompensés? Parce qu'ils ne l'ont pas fait à Dieu, ils l'ont fait à l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est à Dieu que tu as fait, même si l'homme ne t'a pas récompensé, tant pis. Pourquoi tu vas te frustrer? Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, donc c'est à moi que tu as fait, tu n'as pas fait à Dieu. C'est pourquoi tu es frustré. Quand tu donnais pour l'homme et pour recevoir la faveur de l'homme, pour avoir une place, pour avoir un honneur, pour avoir un nom, tu ne l'as pas fait pour Dieu. Si c'est pour Dieu, ce que tu as fait, tu n'allais même pas te souvenir de ça. Aujourd'hui, les gens n'oublient pas le bien qu'ils ont fait à quelqu'un. Le vrai donateur ou le vrai bienfaiteur, c'est celui-là qui oublie même qu'il a fait du bien à quelqu'un un jour. Et c'est celui à qui tu as fait du bien, c'est lui qui va maintenant te rappeler pour dire, ah, ma soeur, mon frère, tu te rappelles, tu m'as fait telle chose un jour. Tu m'as donné 1000 francs. Eh, si tu savais le jour là, ce que tu m'as fait, c'est milliard. Celui qui a fait pour Dieu ne va pas raconter aux gens, je lui ai donné ci, je lui ai fait ci, je lui ai fait ci, il ne va pas raconter, tu n'entendras pas ça nulle part. C'est pour ça que Dieu ne se souvient pas d'eux. Parce qu'ils ont déjà la récompense. Quand tu as aidé quelqu'un, tu as aussi pris quelque chose chez lui. Tu l'as aussi utilisé. Tu n'as plus de récompense chez Dieu. Tu n'as plus de souvenir de toi. Parce que tu as déjà ta récompense. C'est pour ça que la Bible me dit Dieu s'est souvenu de la femme tsunamite. Et quand on regarde très bien l'histoire de cette femme-là, c'est elle qui a tenu le col d'Élisée en disant, si tu ne pars pas avec moi, je ne pousse pas aussi. Elle a tenu le col d'Élisée. Parce que son enfant était mort. Elle était fâchée contre le prophète. Prophète, pourquoi tu as permis que mon enfant meure?
en cela elle a joué. Cette preuve-là, elle a joué. Parce que Dieu voulait voir si elle aimait le donneur plus que le don. Mais ici, elle a aimé le don plus que le donneur. Mais c'est un auto. Pas mais c'est un auto. Dieu, c'est Dieu qui a donné ça. Elle a aimé le don plus que le donneur qui est Dieu. Alléluia. Et c'est ça. S'il aime Dieu, elle doit aimer l'homme de Dieu. Parce qu'aucun homme de Dieu ne donne bébé. Mais c'est Dieu qui donne bébé. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Si tu es avec moi, dis amen. Amen. Tiens bon, alléluia, pour le demain. Donc la femme, elle a joué. Son épreuve. Parce qu'elle s'est fâchée contre Dieu et contre le prophète. La Bible dit, depuis ce jour-là, Élisée est sorti de la maison. Il est parti à Gilgal. Élisée ne peut retourner dans cette maison. Mais la Bible dit, quand la famine veut arriver, le même Élisée qui est parti de la maison de cette femme, elle retournait dire à la femme, ainsi par l'Éternel, la famine arrive pour 7 ans. Fuis, va dans le pays des Philistins. Et Dieu va te sauver. C'est comme ça la femme est partie. 7 ans après, elle est revenue. On lui a retourné 7 ans. Sa maison. Et les 7 ans de production qu'elle n'a jamais fait là, on lui a restitué ça. Dieu s'est souvenu de cette femme. Parce qu'elle a construit une maison pour le prophète. Elle a donné une table au prophète. Elle a fait un matelas confortable au prophète. La Bible dit qu'elle a construit une chambre haute pour le prophète. Elle a fait ça pour le prophète. Parce qu'elle aimait Dieu. Parce qu'elle voulait honorer l'homme de Dieu. Même si elle est tombée hier, 2000 plus tôt. Dieu s'est souvenu de ce qu'elle a fait. Et à cause de ça, Dieu l'a épargné de la mort. Parce que quand on parle de famine, on parle de la mort. Dieu ne l'a pas oublié. L'homme de Dieu ne l'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on se souvient des biens que quelqu'un nous a fait une fois? Malheureusement, l'homme aujourd'hui ne se souvient que du mal qu'on lui a fait. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Tu n'oublies jamais les offenses. Mais tu oublies le bien qu'on t'a fait. Si nous sommes les enfants de Dieu, on doit ressembler à Dieu. Le cœur de Dieu est comment? Il oublie les offenses. Il oublie le mal qu'on lui a fait. Et il se souvient du bien qu'on lui a fait. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il dit quelqu'un qui fait le mal pendant des années. Le juif fait du bien. Une fois qu'il touche le cœur de Dieu, Dieu efface tout le mal qu'il a fait. Il a été dans le bien. Avec ton mari. Avec ton pasteur. Avec tout le monde. Souviens-toi des bons moments. Pourquoi nos cœurs sont tellement noirs? Pourquoi on oublie le bien que quelqu'un nous a fait une fois? Même si cette prière que quelqu'un t'a fait, c'est du bien. Il a dit, tu as dit de donner, alors que tu n'as pas dit de donner, et j'ai donné. Tu as donné, Dieu t'a béni, donc il ne t'a pas menti. Est-ce que quelqu'un est
quelqu'un m'écoute. Ouais, la manière dont tu me regardes, c'est comme tu n'entends pas. Viens, s'il vous plaît. Dieu ne m'a pas dit. Et je te dis, tu as dit de veiller. Tu as dit de veiller. Il faut veiller aujourd'hui. Et tu te réveilles, tu veilles. Et le lendemain, tu m'appelles, tu dis, oh, frère Mohamed. Hey, la veille que je faisais hier, il y a eu des miracles. Je s'est manifesté. C'était puissant. Et d'ailleurs, tu ne savais pas que c'est le jour là, les sorciers ont programmé manger ton enfant. Et la veille là, les a chassés. Peut-être que c'est le jour là qu'on voulait cambrioler ta maison. Et en priant ta voix, les a chassés. Tout ça, c'est pas Dieu qui m'a dit de te dire, c'est moi-même qui t'ai dit pour te pousser à prier. J'ai dit Dieu. Papa, j'ai menti ou j'ai pas menti? J'ai menti ou j'ai pas menti? Non, soyez sincère avec moi. Papa, tu comme c'est le frère Mohamed. Non, j'ai menti. Quelqu'un a gardé? J'ai menti. Quelqu'un a gardé? Frère Mohamed a menti. Alléluia. Mais ce mensonge là, Dieu a utilisé ça d'une manière ou d'une autre pour te sauver, sauver ta famille, faire des miracles. C'est pas pour ça que ça ne sera pas mensonge. Je vais régler mes comptes avec Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est un mensonge que ça a annulé le miracle que tu as reçu. Donc tu as été bénéficié de mon mensonge. Yes. Et Dieu ne va pas annuler le miracle que tu as reçu. La même chose si tu as donné alors que Dieu n'a pas dit de te dire de donner. La même chose si tu as fait quelque chose de bon alors que Dieu ne m'a pas dit de te dire. Parce qu'au moment de tout mentir, j'ai dit Dieu, ces gens-là, quand tu ne leur dis pas c'est toi, ils ne croient pas. Donc c'est entre toi et moi. Partout tu vas aller dire j'ai menti. Dieu va te frapper. Mais j'ai menti. Sorcier peut sauver quelqu'un. Yes. Tu n'as jamais vu là un sorcier. Allez, asseyez-vous, mon frère. Soyez bénis. Tu n'as jamais vu là un sorcier a pris la Bible et aller prêcher l'évangile. Jésus t'aime, reçois le salut. Et la personne a reçu Jésus, la personne est venue à l'église. Mais celui qui est venu dire la parole de Dieu, c'est un sorcier. C'est pas parce que c'est un sorcier que ça annule ton salut. Parce que tu as cru en Dieu qu'il t'a, qu'il ou elle t'a prêché. Et lui-même, vraiment, il ou elle est fort. Parce que la manière dont il t'a présenté l'évangile, tu n'as pas su qu'il est sorcier. Ni ne me laisse quoi mal tombe la nouer à sorcier. Et tu as le miracle jusqu'à maintenant. Tu es en Christ jusqu'à maintenant. Alors si tu veux que Dieu punisse ce sorcier parce qu'il est sorcier et il t'a menti pour le salut, alors tu dois aussi retourner le salut. Tu peux retourner le salut. Est-ce que des bonnes choses peuvent sortir des mauvaises choses? Oui. Le bien peut sortir du mal? Oui. Est-ce que la lumière peut sortir?
sorcier là, ce menteur là, qui t'a poussé au nom de Dieu à faire ce qui est bon devant Dieu, un jour, Dieu va se souvenir aussi de lui et le sortir de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends que c'est la chute d'Israël qui a amené le salut chez nous? Tu n'as pas compris que c'est la désobéissance d'Israël qui a amené le salut chez nous. Et Dieu dit, le jour où tu vas les restaurer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Quand Israël est tombé, nous les païens, on a reçu le salut. Le jour où Dieu va restaurer les Israélites, qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier sera sauvé. La chute de quelqu'un a mené ton salut. Dieu va se souvenir de lui. Dieu va se souvenir d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend sur la terre? N'oublions pas le bien que quelqu'un t'a fait une fois. N'oublie pas. Quelqu'un a quand même donné un bon amen. Dieu a sauvé la femme tsunamite. Oh yes. Élisée ne s'est pas mangé. Élisée m'a capable. Élisée n'a pas dit parce que tu as fait ça, moi je vais te faire ça. Élisée m'a capable. Quel esprit on a reçu? Ézéchias a prié, Dieu dit, Dieu, souviens-toi de moi. Ézéchias a prié. J'ai arrangé ta maison. J'ai ramené le parc en Israël. J'ai restauré ta parole. J'ai mis les sacrificateurs et les lévites à leur place. Et maintenant tu m'annonces que je vais mourir. Non Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit, le prophète n'est pas encore allé au portail quand Dieu l'a dit, retourne. Va dire à Ézéchias. Il ne mourra plus. Il vivra. Et je lui donne 15 ans de plus. Parce que effectivement, il m'a fait du bien. Je lui donne la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton CV, quelque chose dans ton palmarès que le Seigneur va regarder pour se souvenir de toi? Quand tu te venges, Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Quand tu as la jalousie, Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Quand tu as la haine, Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Dieu se souvient de ceux-là qui pardonnent et qui oublient l'offense. Mon âme est tellement meurtrie ce matin. Je vais te dire une chose, je ne sais pas comment mettre ça dans ton cœur. N'oublie pas quelque chose de bon que quelqu'un t'a fait, même si c'est petit, apprécie ça. Amen. Un jour, quelqu'un viendra te dire, un jour tu m'as donné 1000 francs. Vraiment. C'est-à-dire, si la personne va te récompenser en retour 10 ans, 20 ans après, c'est des milliards qu'il doit te donner. Mais même si tu te donnes les milliards là, ça ne suffit pas toujours. Parce que autant où tu as donné 1000 francs, c'était crucial. Oh yes. Quelqu'un t'a hébergé un jour, tu as dormi chez lui. Souviens-toi de ça. Quelqu'un t'a donné du travail un jour, souviens-toi de ça. Même si aujourd'hui le travail est gâté, même si aujourd'hui tu n'es plus chez lui, il t'a fait quand même quelque chose de bien jour. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Ruben. Ruben. La Bible a dit,
Moïse a prié pour Ruben dans Deutéronome. Moïse connaît nous Ruben nous. Tu sais la prière que Moïse a fait pour Ruben. Il dit que Ruben vive et ne meurt pas. Et le Ruben ne meurt pas. Et que sa tribu se multiplie. Parce que Moïse a constaté que chaque fois que Israël va à la guerre, les gens qu'on tue au milieu des enfants d'Israël, c'est la tribu de Ruben. Ruben si me la mort est derrière ces chances-là. Et Moïse s'est levé pour prier. Moïse priait pour arrêter la mort. Lui-même ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruben. Pourquoi Ruben mourait? Parce que Ruben, en son temps, a couché avec la femme de son père et le père l'a maudit. Le père dit qu'il ne va pas exceller. Il ne sera plus la tête. Qu'il va disparaître un jour. Mais après cet événement-là, la Bible, ou bien avant cet événement-là plutôt, je ne me trompe pas. Après avoir couché avec la femme de son père, après ça, le même Ruben là. Quand on voulait tuer Joseph, c'est Ruben qui a dit non, ne faisons pas ce mal là. Ne le tuez pas. Il a couru, il a arraché Joseph de la main de ses frères. Il a dit ok, on va le jeter dans le trou. Et là, il va mourir là-bas. Et même là encore, il disait ça dans l'intention. Quand les frères vont oublier ça, il va venir faire sortir Joseph du trou. C'était ça son intention. Donc si Joseph a vécu et a accompli la promesse de Dieu, est devenu premier ministre, il a sauvé une grande nation, c'est grâce à Ruben quelque part. Premier ministre pour et c'est ça, Dieu s'est souvenu de ça. Pour envoyer Moïse. Pour briser la malédiction. Oui. Le mal peut attirer le malheur dans ta vie. Oui, mais un seul bien aussi peut briser le malheur. Partout il y a la malédiction dans ta vie ce matin, que Dieu se souvienne de toi, que la malédiction la soit brisée. Dis amen correctement. Que Dieu se souvienne de toi. Je répète encore, que Dieu se souvienne de toi. Et te donne un enfant. Que Dieu brise la stérilité dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. Et te fasse sortir de la prison. Que Dieu se souvienne de toi. Et te guérisse maintenant. Que Dieu se souvienne de toi. Et te donne ce que le monde ne peut jamais te donner. Que Dieu se souvienne de toi. Et te relève de la poussière. Que Dieu se souvienne de toi. Et qu'il change ton nom. Et qu'il change ton nom. Qu'il change ton nom. De douleur en bonheur. De malheur en bonheur. De malédiction en bénédiction. De problème en solution. De ténèbres en lumière. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Father, our mouth is full of joy. We just want to say thank you. Because he said when you send your word, it will never return to you. Amen.